Et le tout est tout, c'est Benji, on se retrouve les amis aujourd'hui pour l'épisode 43 du Let's Play Les Sims 4. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas j'ai la patate, la forme comme d'habitude les amis. Cette scène est-elle plutôt pas mignonne, la mamie qui s'occupe de son petit-fils? Oui, c'est tellement mignon, on adore ça, on aimerait le vivre plus souvent. Juste avant, mamie, tu vas aller aux toilettes parce que c'est pas tip-top cette histoire. Et après, go au dodo, les lumières. Les lumières de dehors, ça correspond à rien en fait. Ah, ça doit être les lumières de dehors qui... 5! Il est... Bah oui, tu m'étonnes. Il est 5h du matin, les amis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se fait qu'elle est là? Pourquoi elle n'est pas partie se coucher avant? Oh là là, les amis, il s'est passé des choses, hein. Je sais pas quoi, mais il s'est passé des choses dont je ne suis absolument pas du tout au courant et que j'approuve pas, les amis, hein. Sachez-le bien, je n'approuve pas cette idée. Pourquoi est-ce que Clémence est fatiguée à ce point? J'en ai aucune idée. Pourquoi est-ce qu'il est 6h du matin et qu'elle travaille? Ah bah oui, elle travaille dans 11h, hein, évidemment. Elle va juste avoir le temps d'aller se coucher. Marcus va dire, oh, t'as fait la bringue toute la nuit, c'est pas bien du tout, je suis très colère. Non, non, j'ai rien fait du tout. Voilà. C'était l'intervention de Benji. Il travaille dans 2 jours, il a fait toutes les compétences qu'il faut. Notre petit Théo qui, lui, est bien évidemment toujours sur les chapeaux de roue. C'est la séance du sport. C'est la séance du matin, il est 7h30. On est dimanche, il est 7h30. C'est le moment propice pour passer une excellente journée. Marcus, lui aussi, est debout et très, très énergisé de... Devant cet enthousiasme sportif, hein, va courir un petit peu avec son fils, ça va très bien. Pour Théo, ça lui fait aussi beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien à tout le monde. C'est génial, ma chaise est toujours cassée, c'est pas grave. Alors, où est Marcus? Bah, il était là, ok, on l'avait pas vu. Il était caché, le petit Marcus. Allez, c'est parti. Mais il peut pas normalement faire du sport avec? Il semblait que oui. Non, c'est pas là-dedans. Est-ce que ce serait par hasard ici? Non. S'entraîner à se battre, c'est le seul truc, on va dire, la seule possibilité qu'on a en rapport avec ça. C'est pas grave. Défi de la colline, let's go. Je suis certain, Marcus, que tu es heureux, comme pas possible, de faire ce petit défi de la colline. C'est pas Marcus. Il a atteint le niveau 6. Théo a atteint le niveau 6 de cette compétence. Il est vraiment fort, pourquoi on peut pas? Hein? Pourquoi? Mais si. Attendez, on l'a déjà fait et ça marchait très bien. On l'a déjà fait, ça marchait très bien. D'accord, donc aujourd'hui non. Aujourd'hui Marcus ne peut pas faire de sport. Pourquoi? On en a que... Et pareil, lui aussi il est fatigué. Ah non, 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 par contre, attends. Non, désolé pour l'entraînement sportif, hein. Je t'ai enjaillé pour pas grand chose. Mais... Non, t'es fatigué. Mademoiselle, bonjour, qui s'occupe de son gosse, hein, qui est bien sûr tout seul à la cave, comme d'habitude. Bah oui, il a une couche sale, hein, le petit. Hein. Travaille dans combien de temps? Dans 2 jours. Tranquille, et qu'est-ce qu'elle a à faire? Des toiles. Parfait. Voilà, tu vas pouvoir passer un petit peu de temps avec lui, parler, dodoliner. De l'affection, les amis, hein, de l'affection maternelle. De toute manière, voilà, Yann... Ah oui, c'est vrai, il s'appelle Yann. Ami pour toujours, c'est surtout son fils, oui. Bon, en tout cas, elle a perdu ses fesses, son ventre, pardon, mais il lui reste encore des fesses. Ah, qu'est-ce qui va pas encore? Qu'est-ce que... Encourager le mauvais comportement, bien sûr que non. Évidemment. Bon, écoutez, il est reparti, c'est pas grave. Nourrir, allez, on l'avait dit qu'elle allaiterait, elle va l'allaiter, très bien. On va retourner faire les petits tableaux. Il le faut. Waouh! Mon dieu, mais elle a pas un truc de fou là, les amis. Évaluer d'un œil critique. Ah oui, c'est les nouvelles possibilités qu'elle a eues grâce à sa promotion au travail, puisque maintenant la voilà aquarialiste, niveau numéro 4, et à prochaine promotion. Véronique est désormais une artiste qui travaille, ou du moins qui travaille, à un stand d'une foire d'art locale où les mécènes marchandent le prix de ses paysages à l'aquarelle. Cela dit, cela reste un travail en rapport avec son art, et c'est déjà... Très bon signe. Prochaine promotion, créatrice pardon, de toile, ça c'est bien ça. Ça c'est vraiment bien. Dans le domaine de l'art, bien sûr. Alors, oui,
un peu évaluer d'un œil critique. Quelle est cette interaction, les amis? Oui, ça c'est le rapport des droits, on s'en fiche un petit peu, ça c'est le marché, oui. C'est juste une contemplation ou est-ce qu'on a autre chose? C'est juste une contemplation. D'accord, et on pourrait le prendre combien? 239 simflouz. Oh, je suis sûr, les amis, que... Ah non, c'est la copie. Je suis sûr qu'on peut en tirer beaucoup. Pas du tout, seulement 239, hein, c'était ridicule. Hein. Toi l'en jouer. Allez, c'est parti, les amis. Là. Comme ça, de bon matin, il est 10h20, je la sens, là. Là, les amis, je vous le dis, je la sens prêt pour me peindre un véritable chef-d'œuvre dès le matin. Alors, ça a changé par rapport à l'épisode précédent. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est effacé. Du coup, j'ai demandé à Véronique de venir faire une petite décoration. Et Véronique... s'en est pris à cœur joint. Des éclairages déconnent, hein, je remarque. Je vais éteindre cette pièce. Ok, ouais, on est... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait le chat. Autant pour moi. D'accord. Donc le chat est un facteur à la consommation énergétique. Très bien. Alors, par contre, Marcus, tu vois bien que cette chambre est très design. On ne fait pas ses griffes, ok. Et on réveille pas non plus les Sims. Très bien. Merci Marcus de donner un exemple pour notre société moderne. Parce que ça ne se fait tout simplement pas. Voilà, hein. Ce chat, il faut le dresser. On est quand même des gens très très riches. On peut pas se permettre d'avoir un chat qui fait n'importe quoi. Je suis certain, les amis, que vous êtes... Ah ouais, parfait, voilà. Les amis, je suis certain que vous êtes à 100% d'accord avec moi qu'un chat ne peut pas dominer non plus l'homme, hein, comme il le souhaite. Le chat a tout appris. Parfait, ce chat a tout, absolument tout appris. On va lui donner une grosse friandise pour le féliciter de ce comportement. Alors, notre petite Véronique, ah oui, alors là, elle est très inspirée, hein, effectivement. Alors là, on est vraiment dans du domaine de l'art contemporain quasi inexpliqué et incompréhensible. Hein. Oui, c'est une véritable horreur. Mais c'est pas grave, peut-être qu'un collectionneur peut en tirer, voilà, 320 simflouz, c'est de l'art incompris, les amis. De l'art incompris, on peut pas comprendre toute forme d'art. Ah, là, on part sur le thème super-héros de Fortnite. Eh ben, c'est très bien. Moi, j'aime bien, les amis, tous ces mélanges de différents univers de jeux vidéo. J'aime bien ça. Formidable. Alors, tout le monde est debout, tout le monde est prêt. Oula, notre petite Cassandre qui... Oui, c'est vrai. Dans son... Alors, oui, il faut mettre le gobelet avant. Hein. Oui. Tout à fait. Oula! Beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux comme musique que la première, qui était du grand n'importe quoi, on peut se le dire. Alors, ah, il nous reste encore du petite côte d'agneau, il en reste 6, ah, puis c'est la péremption qui va devenir tout de suite. Elle est fatiguée, la pauvre, elle est très fatiguée, tout le monde est fatigué dans cette famille, c'est fou. Théo, travaille pas aujourd'hui, Théo. Ah bah non, on avait dit que, oui, puis il avait fait tout ce qu'il avait à faire. Oui, prochaine étoile montante, c'est vrai, il est niveau 7, il est devenu entrepreneur de start-up, et ce chat qui remonte sur les lits, et on peut pas l'engueuler, pourquoi? Je ne comprends pas, c'est pas normal, bon, c'est pas... non, mon ami, debout, footing, allez, t'es motivé, c'est parti, course d'endurance, allez, debout, parfait, notre ami, elle a fini, et elle a fini sa toile? C'est particulier, moi après j'aime bien. Tac tac tac, 29 ans. Je... Oui, ouais, vas-y. Vendre un collectionneur, très bien. Ah oui, tout le monde la mange avant que ce soit périmé, très bien. Et on est dimanche, du coup, et il n'y a personne qui vient pour le ménage. C'est un bordel monstrueux. Non, c'est pas celui que je voulais voir, c'était lui. Hop là, où est-ce qu'il en est? Et il a fait tout. Oh, et alors, les amis, le voilà maintenant, donc bon raconteur de blagues dans le domaine. Carrière, acteur, etc. Vous voyez, il n'a que 3 jours par semaine de boulot. C'est assez fou quand même. Hein. Et du coup, côté salaire, bah, ça peut pas venir. C'est assez dingue quand même. C'est plutôt dingue. Bon, parfait. Allez, en espérant que ce myome, ouais, ça n'existait pas. Je viens d'inventer ce mot. Bah oui, on s'en occupe un petit peu. Voilà, hein, très important, cette relation... Voilà, c'est trop là, tout court. Voilà, regarde, il pleurniche en plus. C'est parfait. Mais non, look, regarde. T'as la soluce. Il donne un petit biberon en plus.
On change la couche, on nourrit ce truc-là, c'est parfait. Même pas besoin de faire appel à la nounou aujourd'hui, les amis. On est dans une performance remarquable. Allez, on va profiter de la salle de cinéma quand même en face. Qu'est-ce qu'on peut se regarder? L'armée des cimes morts-vivants. Oh, un film d'horreur, ça pourrait être cool. Allez, c'est parti. Petite séance cinéma. On se plaise. On se plaise. On se faire plaise, hein. C'est très important dans la vie. Alors, Marcus, qui part au travail. Parfait. Lui, il est toujours dans son univers sportif. Il le faut. Ah, on avait dit, les amis, son objectif, c'était qu'il maigrisse. Pour être chef d'une très très grande entreprise, eh bien, évidemment, il faut que Théo soit à la hauteur pour qu'il puisse rivaliser, en fait, avec ses grands adversaires. Eh bien, écoutez, tout le monde est occupé. Tout le monde fait ses petites affaires. Elle travaille dans combien de temps? Dans 18 heures. Tout le monde a ses petites affaires. Nos Sims vivent tranquillement, les amis. Vraiment. Nos Sims vivent tranquillement. On a atteint les summums financiers. On vit dans une maison de rêve avec une famille qui continue de se développer, qui continue de grandir. Donc, c'est vraiment nickel, en fait. Tout ce qu'on peut espérer, on l'a enfin. Donc, voilà, c'est vraiment nickel chrome. Alors... toile à strep, toile classique, une énorme toile classique, s'il te plaît. C'est parti, hein. De toute manière, elle continuera à faire des toiles, elle va augmenter son niveau, elle aura toujours plus de renommée, et ce sera cool, finalement. Alors, est-ce qu'il n'existe pas, les amis, des pièces prédéfinies? Parce que là, c'est vrai que, finalement, c'est son travail d'artiste, et elle se retrouve quand même isolée dans une pièce toute seule. Alors, j'avais vu qu'il existait éventuellement des pièces préconstruites en rapport avec ça. Mais je vous avoue que je ne saurais pas trop les reconnaître. C'est qu'on peut avoir ça. Non, ça n'a rien à voir, c'est dans le restaurant. Travail. Ça, c'est ce qu'on a obtenu avec la salle de sport, évidemment. Ça, c'est un truc artistique. Justement, on n'a absolument rien en rapport... ça, c'est le truc d'hôpital, mais... on n'a rien avec le côté artistique de la chose. Ah si, ça c'est artistique. Ça c'est très artistique, éventuellement, pourquoi pas. Eh non, pas tellement celui-là. Oula, ça c'est génie du mal, ça. Ah non, c'est juste une salle de jeu classique. D'accord. Bon, ça c'est toujours en rapport avec le sport. On n'a pas trop grand-chose avec... ça c'est les trucs artistes. Pourquoi je peux pas? Ah, c'est pas débloqué. Oula! Allô? C'est pas débloqué. Ok, mais toutes les structures sont là. Oh! Trop bien! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le caillard agent secret dans la branche méchant. Oh! Ok. On va se calmer 2 minutes. Est-ce que celle-là on peut? Non, on peut pas. Pourquoi? Ah, oh, faut être critique. Oh, c'est chiant. Donc, il va falloir créer nous-mêmes une propre pièce. Bon, je le ferai en inter-épisode, alors. Vous allez voir, les amis, je vais faire un truc au sous-sol, parce que là, pour l'instant, c'est la salle de jeu. Je ferai un truc au sous-sol. Je mettrai probablement une porte ici, qui amènera dans un long couloir, parce qu'on n'imagine pas, les amis, mais si on regarde bien, voici l'intégralité de la surface de la maison. Donc, on a de quoi ici, par là, faire vraiment une pièce magnifique avec notamment une vue sur piscine, comme j'avais dit dans le passé, on ferait la chambre du gosse ici. La future chambre pourrait être ici, parce que pour le moment, la pièce est modulée dans cet espace, mais on peut tout à fait faire un simple couloir. J'y réfléchirai à l'inter-épisode, mais on peut vraiment faire quelque chose de super sympa dans cet espace réduit. Ah d'accord, il regarde plus de films, son film est fini. Ok, bon, pourquoi pas. Bah tiens, allez, appelle ton ex, petite amie, appelle ta sœur, ça peut faire du bien à la communication. Alors, où en est-elle? Oui, donc, elle en est à la réalisation de cette toile réaliste. Bien ça, je ne me trompe pas. Toile classique, pas toile réaliste, juste uniquement toile classique. Yeah. Mais vous allez voir, je vais faire une salle de décoration digne de ce nom pour l'univers artistique. Oh! Les parents imaginaires de notre amie Véronique. D'ailleurs, j'ai jamais regardé son lien d'affinité avec le monde. D'accord, il n'y en a aucun. Elle est revenue comme ça. Alors lui, il est bon raconteur. Hein? Baron, bon raconteur d'histoire. Et puis elle, aquarialiste. Et le petit gosse, Yann. Yann, alors joli parce que son père a le prénom, a le nom, pardon, joli. Sinon, il aurait dû s'appeler comme à la maman, à savoir Dubois.
Alors, que fera dans la vie ce petit Yann? Pour le moment, on ne peut pas le déterminer. Peut-être que lui aussi sera dans la carrière humoriste. Peut-être que lui aussi sera dans la carrière artiste. Peut-être qu'il sera dans la pègre. On sait pas, les amis, c'est le futur du Let's Play. On peut pas savoir, on peut pas deviner. On verra en fonction de ses capacités quand il sera plus grand. Pourquoi j'étais pas en accéléré? Je ne sais pas. On va immédiatement vendre ça parce que c'est une horreur, ma chère. C'est une horreur, je déteste ça. Toile pop art, ok. Allez, petite toile pop art là qu'on va mettre au-dessus. On la mettra au-dessus, les amis. Petite toile microscopique de pop art. Vous allez voir, elle va me sortir un truc là, je la sens. Là, la Véro, je la sens complètement inspirée face à l'art. Ou pas du tout, elle est en train de me faire un truc dégueulasse. Ça aussi, c'est une éventualité. Travaille-t-elle dans combien de temps? 14h. Elle a large le time devant elle. Et Marcus qui va finir plus tôt. Oh là là, catastrophe les amis pour Clémence. Elle est toujours pas au travail, elle devait commencer à 17h. Oh mon dieu les amis. Mais qu'est-ce que tu fais Clémence? Vol de bague. François participe à un concours d'humoriste, mais juste avant d'entrer en scène, il s'aperçoit que les personnes que la personne avant lui utilise des bagues faisant partie de son spectacle. François est-il accusé lorsqu'il aura le micro ou trouver d'autres blagues? Ah, des blagues. L'accusé. Rien de pire qu'un mauvais perdant. François aurait dû moins prendre son accusation amusante. Le public prend en grippe et aucune blague de type quoi de neuf chez Untel, hein? D'accord, je comprends rien, mais ouais, si vous voulez. Non mais écoutez les amis, c'est épouvantable. Attendez, on peut pas aller au travail dans ces conditions, c'est pas possible. Ah bah on peut pas... Bah écoutez, prendre une journée de congé, la pauvre, elle est dans un état critique là. Oui mais t'es dans un état critique Clémence, donc il faut dans la vie prendre une décision, t'as 9 jours de vacances, là ça peut sauver la mise pour aujourd'hui, le temps que t'ailles aux toilettes, ça finira jamais. Voilà, c'est bon. Ah non, continue de manquer le travail, non? Attendez. Oh! On continue de manquer le boulot, c'est épouvantable. Oh non, c'est épouvantable les amis ce qui nous arrive. Je croyais que ça nous aurait sauvé pour aujourd'hui, mais en fait pas du tout. Juste épouvantable en fait ce qui nous arrive. C'est épouvantable. Alors Marcus qui gagne toujours des milliards, hein, ça c'est sûr. Alors elle a fini. C'est pas mal, j'aime bien, c'est... artistique, j'aime bien. On va l'accrocher au mur, c'est pas grave, on va la mettre ici, voilà. Moi personnellement, bien, je vous ai foulé sa bille, j'aime bien. Voilà. Pourquoi est-elle partie se coucher? On n'en sait rien, hein. Elle a beaucoup de travail à faire, hein. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Toile surréaliste, elle est une grande toile surréaliste qui va valoir des milliards. Très important, les toiles qui valent 3 milliards. Popette, allez, c'est parti, on continue, ma petite Véro, on y va. Allez, fais-nous une petite toile surréaliste, un truc qui est présent dans ton esprit, mais que très très peu de personnes sont capables de comprendre. Vas-y, ma petite Véro, on attend. Critique importante. Clémence voit les membres du personnel de cuisine chuchoter entre eux et leur demande ce qu'il se passe. Il s'avère qu'un important critique culinaire vient juste s'installer à une table de restaurant. Pas de panique, les amis, on va gérer ça. Clémence a le choix entre montrer ses compétences techniques en se servant du homard thermidor, l'une de ses spécialités, ou opter pour des macarons au fromage, un plat pourtant préféré de la critique. On fait un homard, les amis. Les saveurs si particulières, la texture crémeuse et la superbe présentation du homard thermidor devraient suffire à donner envie à tous sim avisés d'aller au restaurant de Clémence. Et ben voilà. Voilà, les amis. On n'a pas du tout servi le plat préféré du critique. On ne s'est pas laissé submerger par la difficulté. On lui a servi nos homards thermidor et ça a suffi. Ça paye. Merci. Bon, elle gagne pas beaucoup, Clémence, quand même. Clémence, t'es peut-être chef de brigade, hein? Mais le pognon, il rentre pas! C'est compliqué. Son métier est très compliqué, puis c'est surtout qu'elle a attaqué sa carrière extrêmement tard pour qu'elle puisse tout simplement faire carrière. Regardez, par exemple, Marcus, bon, qui est au summum de sa performance, ou encore François, qui est très bien. Je sais pas du tout dans quelle performance, à quel niveau est François. Et là, il est niveau 6, hein. François, il est vraiment nickel chrome, mais... Voilà, c'est vraiment... hop, raconter des blagues. François, il est... Ah non, c'est soit écrire ou faire des sketchs. Ah oui, non.
Justement, c'est soit écrire ou faire des sketchs, donc s'entraîner à faire des sketchs, on va le faire ça 3 fois, ça devrait suffire normalement. Clémence, qu'est-ce qui se passe? On a fini, c'est magnifique. On voit une galerie d'art parce que c'est un truc de niveau galerie d'art. Un truc de niveau galerie d'art, hein, tout simplement. Combien? 500 seulement. Allez, on va finir la journée, les amis, par un petit paysage. Là, elle est inspirée, elle est super bien. Alors, elle fait de la peinture toute la journée, mais c'est l'artiste, hein, les amis. Hein. Elle travaille pas dans les journées comme celle d'aujourd'hui. Il faut qu'elle améliore absolument sa compétence. Hein. Et puis, ça fait de l'argent en plus. Hein. Bon, même si on n'a plus de problème d'argent, ça, je peux le confirmer à 100%. Mais bon, on vit quand même dans une sacrée maisonnette, hein, avec sacrément des meubles, ça, faut le dire. Parfait, en plus cette toile classique aura été peinte très très vite. Après elle va aller se coucher quand même. Allez, elle y est presque. Je crois Véro, tu peux le faire. Tu peux mettre l'ultime coup de pinceau qui fera que cette toile sera juste splendide et qu'elle vaudra des millions. Elle vaut pas non plus des millions, mais c'est suffisant. Allez, au dodo, let's go. Toi aussi, au dodo, c'est parti. Toi aussi, que fait-elle? On sait pas. Elle s'étire, mais c'est surtout l'heure d'aller se coucher. Mon petit Marcus. Mon petit Marcus, c'est surtout l'heure d'aller aux toilettes, là. Actuellement, dans les toilettes des choses. Et d'aller se coucher. Lui, il est déjà couché. Le gosse, il ne s'en occupe pas. Parfait. Voilà. On gère parfaitement, les amis, ce foyer. Et... on est heureux. Bon, c'est vrai qu'effectivement, nos Sims ne se couchent pas tôt. Hein. Il est 3h30 du matin. C'est pas simple tous les jours, mais c'est vrai que nos Sims ne se couchent pas les plus tôt. Il va arriver. Fini. Bon, sa petite affaire aux toilettes. Se dépêche. Marcus, il est très tard. Pas si demain tu travailles. Non, il travaille pas pendant 2 jours, mais il faut quand même se coucher tôt. Alors, qu'est-ce qui va pas encore? La vessie, explosion de vessie. Ah, puis là un petit creux. Oh, les amis, regardez comment il a maigri. Trop d'art, nickel, c'est bon. Il va pouvoir reprendre des nuggets. Oui, oui, faut pas déconner non plus là. La qui de bonne conscience, les amis, on l'a 4 minutes. Hein. Après, faut avancer dans la vie. Ah là 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 là. Bug. Bug, pas bug, on sait pas, le jeu ne répond plus. Pourquoi ma touche espace ne marche plus? Ah, elle est cassée. Ah, c'est bon, elle est revenue. Non mais c'est toujours comme ça les amis, quand ça ne marche pas, n'hésitez pas à bourriner votre touche. Vous allez voir, ça va fonctionner un truc de fou. De toute façon, il va pas se recoucher les 6h du mat. Allez, on est lundi, c'est parti, go pour une nouvelle journée devant nous. Journée affolante. Très cassé. Et pourquoi il a des araignées au-dessus de sa tête? Je comprends pas. Un truc en rapport avec acteur? Oh, baby foot. Non. Y'a rien pourtant. Ils ont tous ça au-dessus de la tête, en fait. Oula, ma Clémence, qu'est-ce qui se passe? On est dans un état aujourd'hui, ma Clémence, ça va pas du tout, ça. Allez. Oh, le bébé qui pleure. On l'entend. On l'a complètement oublié. Nourrir, changer la couche. Non, attendez, c'est pas lui qui va s'en occuper. Il est moins fatigué. C'est elle. Parfait. Nourrir, allaiter. Changer la couche. Apaiser. Habiller. Bercer. Debout! Voilà. C'est nécessaire, les amis, hein, pour la faire bouger un peu. Bonjour! On t'avait complètement zappé. Mais alors, complètement zappé de chez complètement zappé. Hein. Alors là, je peux te le confirmer que on avait même oublié que t'existais. Ah, puis Véro va travailler dans 1 heure. Voilà, elle a tout fait en tout cas. Oui, puis elle a archi le niveau dans tous les domaines. Véro est très bien. Là, dans sa carrière, elle est partie en flèche pour vraiment réussir à 100% son boulot. Je sais pas pourquoi ils ont ça, à mon avis, c'est parce que François a regardé un film d'horreur. Et du coup, à mon avis, il perturbe tout l'ensemble de la maison. Il a dû raconter un moment... je sais pas. Il a dû faire quelque chose, François, qui va pas. Bon. Travaille dans combien de temps? Dans 4 jours.
N'empêche que il est l'heure de manger. Est-ce qu'on ne prendrait pas notre petite Clémence qui danse? Ok, non mais elle fait ce qu'elle veut, écoutez, pourquoi pas. Est-ce qu'on ne demanderait pas à petite Clémence de préparer un petit repas gastronomique pour le petit déjeuner? C'est parti, portion familiale! Allez Clémence, on y va, on se motive. D'accord, donc elle est partie bouffer un truc dégueulasse pendant que Clémence! Alors oui les amis aussi, j'ai investi dans un deuxième à lave-vaisselle. Vous allez me dire, Benji, t'as la folie des grandeurs. Et vous auriez entièrement raison de me dire que j'ai complètement la folie des grandeurs. C'est juste que un seul lave-vaisselle, c'est un petit peu chiant parce que ils mettent une assiette dedans. Et dès qu'ils ont fini de mettre l'assiette dedans, d'ailleurs, toi t'es là, tu fais, tu sais pas. Hein? Non. Non. Je souhaite pas. Je veux qu'elle aille travailler. Lui, il fait rien. Hop. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ça y est, j'ai oublié. Ah si! Des fois, ils vont prendre une assiette et ils vont mettre directement une seule assiette dans le lave-vaisselle. Donc voilà, par exemple. Bah, c'est ce qu'il va faire. Voilà, hop, il met directement une assiette dans le lave-vaisselle. Donc là, l'assiette, bah, on l'oublie intégralement. N'importe quoi, je raconte n'importe quoi. Bah voilà, bah, là par exemple, là, si jamais je lui demande de nettoyer cette assiette qui est ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me la prendre et il va la nettoyer à la main en fait. Et donc ça va nous faire perdre beaucoup de temps au niveau de notre Sims. Donc effectivement, on a double du système, etc. Mais bon, savoir ce qu'on veut dans la vie, n'est-ce pas? Alors, Marcus, qui est parti dormir. Bah écoutez, il est l'heure pour notre ami Marcus de se réveiller et d'aller manger. C'est parti. Lui, il est l'heure aussi de prendre une petite portion. Vous, faut arrêter les grasses mat au bout d'un moment. Il faut se lever. C'est parti. C'est l'heure de manger. En tout cas, cool qu'il ait maigri comme ça. Il est plus sympathique, disons-le. Les droits d'auteur, oui, encore et toujours des droits d'auteur qui varient en fonction de chaque journée, puisque Clémence a écrit un livre. D'ailleurs, elle a toujours un livre qui est encore en cours d'édition. Et lui, il a créé, pardon, son application Flappy Bird, qui marche bien, hein. Chaque jour, on a toujours des téléchargements qui se font en plus, donc c'est vraiment nickel. Bah écoutez, elle va continuer d'écrire son livre. Je vois pas pourquoi elle devrait s'arrêter maintenant. Écrire, reprendre l'écriture de Bon Appétit, 101 recettes intuitives. Non, c'est pas ça le titre, je sais pas ce que c'est. 101 recettes, bref. Voilà. 101 recettes pour les personnes fidèles de la cuisine, voilà. Clémence qui n'est pas à la retraite, hein, ne prendra pas de retraite. Cette Clémence, elle travaillera jusqu'à la fin de sa vie, mais disons-le qu'elle est à fond dans son métier, et si elle peut toujours ramener de l'argent, elle le fera. Merci Clémence. Alors, mon petit Marcus, qui a fait tout ce qui était à faire. Le bébé pleure? Le bébé pleure, le bébé est en panique, le bébé est en transe. On va le nourrir, on va lui changer la couche, et on va l'apaiser. Voilà! C'est le padré! Pourquoi tu le fais pas? Oui. Ah, c'est lui, c'est Marcus. D'accord, donc c'est Marcus qui s'en occupe. Marcus, très doué dans ce domaine. Alors pourquoi il pleure? J'en ai aucune idée. Ah, il veut dormir aussi. Une grimace. On va parler et après on va le laisser dormir. Il a certainement besoin de dormir. Leçon sur le trait de caractère ambitieux. Marcus est ambitieux, les cibles ambitieuses sont concentrées sur leur carrière. En cas de succès ou d'échec professionnel, ils ont une réaction émotionnelle. Mais là, tout va bien. Oui, tout va très bien. Les factures viennent d'arriver dans votre boîte aux lettres. Vous devez bien donner 7000 et vous avez 48 heures pour payer avant que les services ne soient coupés par un machin truc. Ouais, c'est ça. Écoutez, les amis, on va encore acheter une réduction. On a besoin de réduction sur les factures. C'est où? Économe. Votre sim se dispose. Ok, ouais. Votre sim ne satisfait pas les exigences d'âge requises. Donc ce serait à elle de l'acheter. Mais elle a passé. 10 ans. Un passé. Ah, lui, il en a assez. Ah, parce qu'il n'est pas là. Très bien. Lui, il en a pas assez. Il est presque, mais il en a assez. Quoi? Faire venir? Oui, mais attendez, faut qu'il soit drôle avec 5 Sims. Ah bah, c'est pas grave, 3, 4, 5, on va les inviter, les Sims.
Oh non, même pas, il y a elle qui est là. Donc, hop, on va juste faire une petite blague. Tester des blagues, voilà. Fait, elle a... T'as bien 2 secondes, hein. Ensuite. Lui, il est voilà, hop, tester des blagues. Comme ça, on va faire la satisfaction. Ça n'a pas l'air très convaincant, les amis. Hein. Donc, c'est même pas convaincant du tout. Mais bon, pas très grave. Oh, attendez, payez la facture. Hop. Pas convaincant, quoi. Petit, il est là. Ah, il l'avait déjà fait avec lui. Ah mince, bon, écoutez, faut qu'il invite 2 personnes. Ah bah non, c'est bon, 4, bah plus qu'une personne. Bah, Cordy. Allez, Cordy, viens à la maison. C'est parti. Cordy, au pays de Cordy. Pardon. Hein? Non! Faut juste que quelqu'un qui vienne à la maison. On va aller faire une petite blague. Lui! Ça fait 15 ans qu'il vient faire du ménage à la maison, on le connaît même trop tard. Elle est là, notre amie est ici. Tester des blagues. Hop, drôle, tester des blagues. Allez, les amis. On va gagner les petits points qu'il faut. On va passer au niveau supérieur, ça va être génial. C'est être drôle, mais finalement, tester des blagues, ça revient au même. Alors. Ouais. On a obtenu suffisamment ce qu'il faut. Ah, puis on a tout obtenu, là. Ah oui, non. Écrire 3 sketchs. Ouais. Mais bon, on y est presque. Du coup, la facture est ici. Voilà. Voilà, comme ça, au sein même du foyer. Attends, c'est bon, hein, tu peux partir. Lancer une grumeur grotesque et demander de partir, évidemment. Alors, attendez, il y a une autre satisfaction à réaliser. Écrire 3 sketchs. Cliquez sur l'ordinateur et sélectionnez machin. Ok. Comédie. Écrire un sketch de durée moyenne. C'est bon? Elle en est à où? Bah, elle avance. Elle avance, elle avance, elle avance. Marcus s'ennuie. Marcus danse. Marcus s'ennuie un peu dans sa life. Hein. C'est normal. Lui, c'est parti, il fait ça. Et en même temps, il fait son job quotidien. Il l'avait déjà fait. Ok, nickel. Tout le monde est content. Écoutez, tout le monde fait ce qu'il a à faire. Tout le monde réussit. Ah oui, par contre, j'ai oublié. Travailler dur. Travailler dur. Je sais pas s'ils auront de la promo aujourd'hui. Bon, elle, alors, a pas de promo, ça c'est sûr. Et puis lui, il vient tout juste d'avoir sa nouvelle promotion, donc il ne l'aura pas tout de suite. Eh bien, écoutez, les amis, on va se quitter là pour aujourd'hui, en tout cas. Merci d'avoir regardé, surtout n'hésitez pas à laisser un j'aime, de mettre un commentaire si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, à vous abonner, les amis. Oh, elle a terminé son livre. Bah, écoutez, c'est parfait. À vous abonner en cliquant sur le logo de la chaîne, à activer la petite cloche de notification pour être averti dès qu'un épisode sort. Et moi, les amis, je vous dis donc à la prochaine et ciao, bye bye.